Les gars, regardez un peu cette image. Regardez cette vidéo. Là, c'est le Predator. C'est le Predator qui est en train de sortir de la voiture, comme vous voyez là, les amis. Je vais vous présenter encore une autre image. Hein. Regardons un peu ensemble. Regardez cette image. Bon, pour ne pas dire cette photo. Regardez cette photo. Vous voyez, qu'est-ce qui est écrit sur le bras de Francis Ngannou? Kobe. En fait, Francis Ngannou nous fait comprendre à travers cette image que ce soit il rend hommage à son fils, que ce soit il va se venger pour son fils. Oh, l'amour d'un père. C'est-à-dire que Ngannou n'a pas toujours oublié son défunt fils. Son fils qui est parti il y a de cela quelques mois, vous vous rappelez. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, le combat de Francis Ngannou face à Ferreira, le Brésilien, c'est ce soir. C'est ce soir, les amis. Je ne peux pas vous donner vraiment l'heure exacte parce que d'autres parlent de 19h, d'autres parlent de 21h, d'autres parlent de 22h. Mais je voudrais juste vous inviter à rester devant l'écran. J'ai même vu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que CRTV Sport va retransmettre, va nous retransmettre les images, va diffuser le combat de Francis Ngannou face à Ferreira. Vraiment, c'est un combat attendu plus que les multiples combats que Ngannou a eu à faire. Ngannou a bien tatoué son fils sur son bras. Un signe d'honneur. Donc ce soir-là, ça va frapper fort. Ngannou, j'ai lu là que même en poids, où tu es à 116 kilos, ton adversaire est à 118 kilos. Il a presque plus de 2 mètres. Toi, tu as moins de 2 mètres. Nous misons sur toi. Nous comptons sur toi, Ngannou. Nous ne voulons plus les histoires. Tu as vu nous dire que tu es arrivé où c'est 2 heures, où c'est 1 heure avant. Le sommeil a fait quoi? On a envoyé le gaz qui faisait qu'il t'étouffait. Nous, on ne veut pas entendre ça ce soir. La seule chose que nous attendons, c'est la victoire. Je suis sûr que même aux États-Unis là-bas, à l'UFC là-bas, tout le monde attend ta victoire. Papa, nous savons que ce soir, tu seras le nouveau champion au PFL. PFL à Paris. Nous attendons la victoire. En fait, je fais ma vidéo, moi personnellement, peut-être y compris certains de mes followers, pour t'envoyer des ondes positives afin que tu nous ramènes cette victoire. Voilà, on t'a beaucoup humilié dernièrement parce que ce n'était pas ta discipline. Cette fois-ci, tu es dans ta discipline et nous savons que quand on parle du MMA, quand on parle de ta discipline qui est le MMA, tu restes le champion des champions. En fait, vous êtes les deux champions, mais nous savons que ce soir, le Cameroun va vibrer. Alors les gars, je faisais ma vidéo juste pour vous informer que ce soir, pour vous rappeler, parce que certains ont oublié certainement, pour vous rappeler que ce soir, c'est le combat de Francis Ngannou à ne pas rater. Restons scotchés. Alors, nous prions pour toi, champion. Nous attendons la victoire. Et quant aux autres, s'il vous plaît, il ne reste que moins de 2 semaines pour le jeu de la DV Loterie. Pour ceux qui disent que c'est le Njambo, ne me confondez pas. Je n'encourage pas le Njambo. Je vous ai toujours dit ça. Ce n'est pas parce qu'on a mis DV Loterie, qu'on a dit Loterie, que vous pensez que c'est le Njambo. Ce n'est pas le Njambo. C'est juste un simple truc où on remplit les coordonnées. Si tu es sélectionné, tant mieux. Si tu n'es pas sélectionné, donc si tu es sélectionné, ça peut changer ta vie. En d'autres termes, c'est un peu comme le Njambo, mais ce n'est pas le genre de Njambo où on mise l'argent pour gagner gros là, non. Où on vient parier pour gagner gros là, non. Ici, là, on peut aussi appeler le Njambo d'une autre manière parce que il y a quand même loterie dedans. Mais ce n'est pas le Njambo que vous croyez là, parce que je suis en train de lire vos commentaires et je comprends bien ce que vous racontez là en commentaire.
Ce n'est pas ça que Franco, toi tu dis que tu n'envoies pas un jumbo. Tu viens faire la promotion, la DV Loterie. Renseignez-vous bien. Nous sommes situés en face Total Gusto. Voilà. Ceux qui viendront jouer en face de la Total Gusto au studio Vision Pro. Nous attendons, nous sommes ouverts tous les jours, même demain dimanche, 8h, 20h. Voilà. N'attendez pas la dernière minute pour venir nous étouffer. Champion Francis Ngannou, que le Dieu du Cameroun soit avec toi. Nous attendons la victoire. Si les Lions ont tapé le Brésil dernièrement, pendant. En tout cas, c'était le football. Maintenant, c'est. Champion. Arrêtez les pleurs, les amis. La solution est désormais là. Pour ceux qui m'écrivent souvent pour chercher à savoir comment monétiser leur page, ou bien mes frères qui sont à la diaspora, il y a plusieurs qui m'écrivent souvent pour me demander, Franco, j'aimerais monétiser les pages de mes frères qui sont en Afrique, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Désormais, mon boss Patrick Enyekamga a mis sur pied un livre qui vous forme, un livre qui vous donne les détails sur la monétisation Facebook. Ne vous cassez plus les têtes, les amis. Il suffit juste d'entrer en contact avec Patrick Kenyekamga qui va vous donner les modalités, comment faire pour entrer en possession de ce livre que vous voyez là. C'est très riche ce livre. Je vous le conseille vraiment.